merci beaucoup. On vous reçoit. Hey, merci. Dans notre merci. Cuisine, merci. C'est des entrevues. Ouais, c'est comme ça, ça passe. On est à table avec l'invité. C'est-à-dire que... Et là... Oui. On a... Avec, il est venu pour nous autres. Ben, il transpire de bonheur parce qu'il fait chaud dans le studio. C'est vrai, dis-toi tantôt qu'il faisait chaud. En tout cas, Michel... Quoi? Il s'appelle Michel... Courtemanche. Michel Courtemanche. Courtemanche, il est là. Hey! Et oui. Merci. Et oui. Un gars qui me fait tellement rire quand... Tu sais... Tchic! Il est drôle. Bon... Alors, Michel Courtemanche, tout un début de carrière, hein? Oui. Ça a monté assez... vite. Ça a monté assez, ça a été assez vite. Ah oui? Ouais. Ouais. Ah oui? Ben oui, après... Ouais. Combien de temps ça... Hein? Ça fait combien de temps ça monte? On continue? Oui. Oui, il reste 3 minutes. Excusez? Elle a dit 3 minutes. Ouais. Non, c'est ça t'a dit? Oui, mais... Votre repas est prêt. Fait que combien de temps que ça a pris à cette carrière-là, arriver, est-ce que ça doit être... Bon. Ça a l'air bon, hein? Ouais, ça l'est. Ouais, ça a l'air super bon. Ouais. Comment good, ça... Good. On retire la pellicule. On retire la pellicule. Et on tire sur la bobinette chère. Oh. Michel. C'est chaud! J'ai une petite question que ça fait longtemps que... Ouais. Des fois, je vous croise sur la rue. Êtes-vous un véritable, vous? Dans le sens de quoi? Dans le milieu, là. Êtes-vous un véritable? Mais tout après, vous pourriez répondre à la première question. J'aurais aimé ça savoir. Ouais... un véritable quoi? Véritable... Mime, comique? Non, merci. Peut-être que Michel peut peut-être en prendre. Ouais. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ah ouais. Allons-y! Ah oui. Hein? On va y aller! Et le truc avec le ketchup, c'est pas tu fais ça en arrière de la tête comme un petit bébé qui arrête pas de broyer pour dire « Femme ta gueule, c***! » Non, non, il va sur le côté, comme ça! Et vous allez voir! Ah-ha! Ah-ha! Michel. Michel, quand tu manges. C'est des voisins, là. Vous avez une grosse carrière, hein? Sauf que vous êtes parti souvent. Étiez-vous comme tanné du Québec? Non. 1 minute 30. Ça vite. Il est bon. Ouais. Fait que le Québec, pour vous, c'est... Bon, si vous deviez faire la promotion de vous-même, là, si vous deviez faire la promotion de vous-même, vous commenceriez par quoi? Ben, ça dépend. Si j'ai des billets à vendre ou si j'ai... Mettons, j'ai un show... C'est même, cette question-là. Si j'ai un show, mettons, je sais pas, à Montréal, au Saint-Denis, puis là, faut que je fasse de la promotion pour... Je vais juste goûter le ketchup. Hey, c'est n'importe quoi, ça. Fait trois questions que je pose, mais il n'y a pas de réponse à ça. Il y a un moment donné, M. Courtemanche, faudrait répondre un petit peu, au moins, hein, tu sais, parce que là, à un moment donné, on a beau vous recevoir... Calme-les, donne-nous quelque chose à manger, là. Calme-les. Doudou Tiger. On fait manger. Doudou Tiger. Non, Doudou Tiger, ta... Moi, je viens ici, cette année, on est à vu dans un canal de m***. C'est commencé.
Mm-hmm. On est au salon avec... C'est pas tout le temps qu'on veut s'adresser aux téléspectateurs, mais là, on aimerait ça dire ce qui est arrivé tantôt. On est des êtres humains comme tout le monde. Mais ça sent vraiment mal. Les êtres humains, vas-tu mettre le... on continue notre belle rencontre en avec... En tout cas, on offre nos apologies. Apologies? Hein? Je pensais qu'il blaguait tantôt, là, monsieur. Moi, je suis naïf. Monsieur Courtemanche... Mais on s'est parlé, ouais. Et maintenant... Ça s'est calmé, oui. Ça s'est calmé. Alors, monsieur Courtemanche... Monsieur Courtemanche... Les premiers monologues que vous avez faits, c'était au Club Soda. Oui, en 86. Mm. Est-ce que vous... Avec, à l'époque... excusez-moi. À l'époque, j'étais avec les Monges Lelmour. Marcel Racine, J.C. Lauzon, Claude Doyon, qui était pas mal le plus connu d'entre nous, parce qu'il avait déjà fait Juste pour rire à l'époque, à la télévision. Et puis... excuse parce qu'il a coupé, puis là, il s'est pas excusé. Non, je veux m'excuser. Excusez-moi. Oui, c'est correct. c'est ça. Fait que j'ai fait... tabarnak. Wow. J'ai fait le Club Soda après pendant des années. C'est-tu l'époque que vous avez passé dans le TV Hebdo, là, puis on vous avait vu avec le chandail vert et bleu, là? C'était un bon moment. Le chandail vert et bleu? Oui, oui, c'était sur le TV Hebdo, c'est ça? Je m'en rappelle plus. Maintenant, vous avez... Vous êtes plus en avant de la caméra, mais vous réalisez. C'est un peu vous avez réalisé l'émission pour le café, c'est ça? Je suis mal. C'était quoi cette émission-là pour le café? C'était pas pour le café, c'était Caméra Café. Qui est un jeu de mots entre caméra cachée et caméra café. Ouais, c'est que la caméra... T'as quand même dit le mot attends café. Un peu. Mais, oui, mais attendez, boys. Non, mais attendez, boys. C'est qui l'invité, là? Attends. C'est moi l'invité. C'est moi qui réponds, oui. OK? Je m'excuse, monsieur Gouttard. Parce que dans la loge, on entend café. Mais la recherchiste, elle dit pas caméra café. Nous autres, on s'est excusé. Là, maintenant, je peux pas m'excuser plus. Non, c'est correct. Monsieur Courtemanche, comment vous allez régler votre problème? Le problème de violence, la violence que vous avez dans vous, là. Ayel, es-tu tout le temps là? Violence que vous avez... Oui. Monsieur Courtemanche, répondez à la question, s'il vous plaît. Je vous dis s'il vous plaît, je m'excuse. Oui. Mais c'est quoi ta de question? Mais là, vous avez... Tu sais, l'attitude que vous avez parlé de le show avant, là, avec Louise Deschâtelet, là, vous aviez dit que vous avez des problèmes de violence. Puis là, quand ça arrive, ça se contrôle pas. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est... calmer. Ça, c'est, oui, parce ça que des fois, on ressent des élans ici, mais non, ça, je ne veux pas dire que vous êtes là. Non. Je vois où tu veux en venir, mais ça, c'est pas de la violence. C'est de l'expression... C'est de l'écœurement. Attends, non. C'est une expression physique d'une douleur interne. C'est pas ça de l'expression corporelle, M. Courtemanche. J'ai pas dit expression corporelle. J'ai pris des cours d'expression corporelle, puis c'est pas ça. J'ai pas dit expression corporelle. Vous avez parlé d'expression corporelle. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas l'expression corporelle. Mais c'est quoi ce cours-là d'abord? T'as bien trop raison. Mais c'est quoi le cours d'expression corporelle? Pas ça, pantoute. Il est où le moton après? Même entre eux autres, ils sont pourris. Je comprends même pas. OK. Ça juge. Ah oui, ça juge. Ah oui, et ça ne fait que... Ça fait 4 ans qu'on fait ce show-là. C'est le succès, ça roule. Vous avez tous vu l'équipe commune. Tout le monde a vu, là. Ce gars-là qui... Il arrête pas de sacrer quand il essaie de s'exprimer ça. Avec mon ami. Le juvénile en vous, non. Nous autres, on est... On voulait s'adresser à l'adulte. Oui, mais nous autres, on est quoi? Des adultes? Oui, non. Des animateurs? Des... Parce que je parlais de juvénile, nous autres, on est... Bien, au-delà. Non, le mot, là, commence par Emma. Je ne sais pas. Mature! Allez-vous fermer votre gueule et me laisser parler? Est-ce que c'est en train de recommencer, votre affaire de bouffe? C'est pas ça, je suis en train d'expliquer que ce que... OK, on est quitte.
C'est l'Halloween! Ah non, 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 on va pas recommencer cette affaire-là, là. À un moment donné... Ah! 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 Ah!